je vais jouer Jiren. Je vais lui montrer avec mon Jiren. J'avoue, il fait chaud de ouf, mais bon. Je vais Jiren. Il est en train de se gosser intérieurement. Tu peux t'asseoir, hein, Chompa, si tu veux. Après, ce sera à nous dans tous les cas. Le nom à gauche, c'est. Comment il s'appelle? Flash No. Yuzu. Flash No 47. On n'est pas à la maison, hein, donc on prend son temps. Et du côté du nom 1, c'est. Ah ben Sorceleur, c'est déjà bon. Oh là là, j'ai pas besoin de le faire, on va plus vite comme ça, incroyable. Par contre, le score, tu peux t'afficher, s'il te plaît? Bon, bah Streamlabs qui a décidé de me niquer. Je vous mets le truc en grand écran en attendant. Et on a quand même Sorceleur qui a déjà trouvé l'ouverture de garde, malgré un début d'entame à l'avantage de Piccolo-san. Spark activé direct, encore une fois. Je commence à moi-même douter de ce genre d'activation Spark. Je pense qu'il faut quand même essayer d'être un tout petit peu plus jusqu'au boutisme. J'en discutais avec certains membres de la communauté. Et les frères, ils préfèrent faire les bonhommes, tu vois, et dire « Ah bah non, moi, je vais attendre mon deuxième perso au pire. » Zouk, excusez-moi, je vous ai mixé, mais le confirme est quand même là. On ramène dans le coin. Fais-moi une level switch, s'il te plaît. Ouais. Bon. Aïe, 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 aïe. Un peu de tout, un peu de trop, un peu de too much. La lecture de jeu était un peu risquée, là. Même trop risquée. Et on va profiter un peu de Keep Rast. C'est beaucoup d'un peu, quand même. Confirme, normalement, ça... Ça peut tuer. Hook, hook, mange mon pied. Ok, ça tue totalement. Et pas tout à fait égalité parfaite à la vie, oui. Mais on a un Spark et 3 barres de metteur quasiment du côté de Sorceleur. Oh, caravant là, oh, caravant médium, il s'en fout. Oh, le roulis-branche total. Non, faut pas retomber dedans. Quand on a esquivé ce bordel d'anneau, il faut faire attention. Moi, je vous dis, Majin Vegeta, ça arrive, hein. Ouf! Majin Vegeta, ça arrive parce qu'on aura un appel assist anneau. Il fait ça sur Goku là. Il le coince. Ce serait tellement stylé un autre assist de ce type. Avec un perso comme Vegeta du charisme. Book. On mange un petit peu. On s'en fout de l'embonpoint. C'est mieux le chocolat. Zi. Petit mix. Bouah. C'était quoi cette déchoppe? Nono qui a vu le futur mais qui mange le follow-up. Ici, Ki Blast, et là, le Deflect qui se fera catch. Sorceleur qui a décidé d'être agressif, et ça paye. Et ça paye totalement. On se retrouve du coup pour Flash No avec seulement un C17, dont j'ai assez vanté les... pas les mérites, hein. C'est un peu compliqué C17. Hein. Regardez là, on a tenté un Caravant H dans le neutral, et le Ki Blast qui t'a dit « Non, claque de réalité dans ta tronche, Zouk !» On profite du bonbon Extendiex pour mettre dans le coin. C'est nimp ce perso, c'est... Je sais pas comment dire autre chose que c'est nimp. Faut sortir Broly. Oukono. Hey, wesh, 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 wesh. Il a raté le timing. Oh, pas de confirme ici sur le saut qui blast. Le match qui a du mal à s'emballer. Par contre, un peu de salsa dans cette phase. Eh, non. Ouais, ça c'est très triste. Nanicolei. Bon, on mixe quand même. Là, fallait pas taper. On a chargé le 2-2S qui s'appelle, j'en sais rien. Je sais pas comment ça s'appelle ce move. Le move dont on s'en bat les steaks. Ah là 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 là. Encore une fois, regardez le 2-2S dans le neutral qui n'est pas payant. Vaut mieux des Kiblast horizontaux, diagonaux. Ouais, en diagonale, c'est, ça fait le taf. Hein. Ça va être compliqué pour Flash No qui trouve une petite ouverture de garde sur ce Kiblast balancé. Petit staggering qui ont été déflectés. Mais, un simple switch et on n'en veut pas de ces bêtises. Les deux joueurs qui sont chauds, hein, parce qu'ils viennent tous les deux de jouer. Mais Sorceleur qui a été... À partir du moment où il a mis Nono dans le coin avec Piccolo, ça a enchaîné. Ça a enchaîné totalement. Et la suite n'a pas été payante. Du coup, un petit peu comme j'avais pu lui dire, si le GOAT de son équipe ne fait pas un peu plus le taf, c'est vraiment compliqué de revenir ou de recoller. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus d'efforts entre guillemets.
Si le Momentum Spark n'est pas payant dans sa team, c'est la maladie. Il a repris C17, oui. Là, je pense qu'il a envie de voir un peu ce que cette team avec C17 vaut actuellement. Il sait qu'il ne l'a pas mené jusqu'au bout. Il a testé Broly. Il sait qu'il pourrait faire des choses avec Broly, mais il faut quand même essayer d'approfondir. Du coup, je pense que ouais, là, il fera tout le tournoi sur C17. Et je pense qu'il a entièrement raison. On a quand même des choses à proposer à Taffé avec C17 qu'il n'a pas encore implémenté dans son plan de jeu. Donc, je pense qu'à terme, il cherchera, ouais, il cherchera justement... quelque chose de plus plus optimisé, on va dire. Que ce soit la gestion des ressources, la gestion du momentum, la gestion du spark. Toutes ces petites gestions à droite à gauche qui sont importantes, les amis. Bon, appel assist employé. On n'a pas déflecté ça, c'est très important. Il faut le déflecter. Sa maman. Wow, c'était Swagamente, hein. Le Ki Blast qui était en fait un deflect, mais comme ça inverse les positions, vous connaissez la suite. On a essayé de deflect le projectile, mais il a clash avec la bombe. Du coup, le deflect, c'était dans le Zef. Pas de dive kick à la redescente. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent parce que Nono, au lieu de faire la redescente un petit peu dangereuse, a préféré ici ramener ses 17. Et pour l'instant, le choix est payant. On va peut-être mixer. Mix up City. Oui, monsieur. Zouk 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 et remix up city bourre. Oh, putain, mais Nono, tu fais chier. Excusez-moi. White Black, il n'en peut plus. Oui, allez, s'il te plaît, extend avec Piccolo, essaye de le faire, on s'en fout si ça marche pas, essaye. Mais il l'a pas fait. Voilà, il l'a pas fait. Non. Mais punaise, en plus c'est No Brain. Il avait les barres de metteur, il aurait tué. Là, ça va être... Alors, il a quand même l'avantage. On va continuer de commenter le plus... On active le spark. Il a raison. Il n'y a pas de spark de l'autre côté. Momentum time. Attention, un peu de scramble. Faut plus prendre de risques. Les appels assist sont revenus. Les appels assist, on trouve le voiture de garde, mais on confirme pas correctement parce qu'on envoie trop les assists. Ils continuent de profiter des bombes. C'est pas mal cette phase offensive du côté de Flash No qui a été payante. On a monté des barres de metteur. Pour l'instant, comment il s'appelle? C17, il a fait le taf, les frères. C17, il a fait le taf. On attend un switch. Appel assist. Oui. Appel assist. Double. Le L3. Vanish. 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 Employé. Issa. Léo. Reka. Ta maman. Deux. Ah, il a loupé. Lightbox, le déflect trop tôt. On confirme bien. Nono qui réalise ici une belle entame de deuxième match. C'est stylé. La déchoppe aussi du côté de Sorceleur. Le match qui commence à prendre de la saveur. On pousse ici. C'est bien cette team parce qu'on a double mix-up un petit peu grâce aux bombes. Les Rekas qui sont entièrement respectés. Hein. Faut pas trop respecter. Il y a des trous partout. Bon là. Lecture de jeu sur 20. Il y a des claques mentales là qui sont en train de rentrer du côté de Flash No. C'est important d'être capable de se conforter dans les choix qu'on a pris. On a peut-être tenté un 2A, je sais pas s'il a sauté en même temps. Le drop donne raison quand même au momentum. Le super dash sera gardé ici dans les airs. Le beam entièrement bien placé, mais l'esprit qui vacille peut-être du côté de Sorceleur. C'est pas évident, les frères. Nous là, quel comportement! Oui, ça confirme avec le stand jab, Boris. Les dégâts sont pas excellents, mais c'est pas grave, on a monté le metteur, on a gardé le corner. Et je vous dis, le corner, c'est les cordes. Par contre, le mix-up était trop simple, tu as fait mix-up mid-mid. Mais... Wesh! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là, faut rester focus. On fait le combo qu'on a l'habitude de faire. C'est pas le moment d'optimiser. Merci, fais le plus simple possible. Appelle assis si tu veux parce que tu connais le timing. Yes, ça c'est propre, net et précis. Et tu me mets Piccolo. Merci, voilà. Makenko, ça me les doigts dans ta tronche. Makenko finger laser. Vous m'embêtez pas. Ah là 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 là, ce soir franchement les frères, On sent que les gens, ils ont taffé. Sorceleur qui a taffé, qui est de plus en plus solide. C'est bien joué ça, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Ce Majin Buu qui trouve l'ouverture de garde, qui confirme grâce à sa team sympathique. Ah là 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 là, le stagger qui est respecté, on a voulu taper. Les trois barres de metteur sont arrivées.
Nono, il sera dans une situation très complexe. On va pas pouvoir faire un Oki time, un reset time plutôt, parce qu'on n'avait pas l'assist nécessaire pour pouvoir le faire, le bon assist du moins. Donc là, lecture de jeu sur 20. On a activé le spark, on a profité encore du momentum ici. La garde est plus bonne. C'était pas son tour, mais bon. De temps en temps, est-ce que c'est pas sympa de s'en battre les steaks, hein, honnêtement. Comme nous l'a montré Chomp. Ah là là, ça j'aime pas parce que c'est obvious les frères. Et c'est tellement obvious que c'est ça qui m'a permis de tuer Sorceleur à maintes reprises. Parce que je mettais juste 2H comme un connard et ça passait entièrement. Il n'y a pas de déflect, il n'y a pas de 2H. Nono, hyper piccolo, que sur ça. Sur cette situation entièrement maîtrisée du côté de Sorceleur. Le jeu de combat, c'est du 2v2, hein, les frères. C'est du 1v1, pardon. Du coup, il faut vraiment être en mesure de punir. Bon, là, c'était Blockstream. Le Vanish, pour Vanish, c'est bien joué, ça. Mais Loki Time qui est foiré. Du coup, vous connaissez la suite. Ki Blast, level 3. Loki est pas exceptionnel, mais on s'en fout. Nono qui est parti trop loin, le mix. Parce que Sorceleur, et comme beaucoup d'autres joueurs, on maintient le bouton assist. Là, c'est bien trouvé. La route qui est mi-figue, mi-raisin, mais on n'a pas d'assist de toute manière pour faire mieux. Et comme je l'ai dit, c'est pas encore l'optimisation, son plan de jeu. Donc, qu'importe. L'eau fraîche, c'est bien. Il veut rien dire. Les Ki Blast qui seront chicken bloqués parce qu'on a sauté suffisamment tôt. Hé, la garde qui est bonne, ça connaît pas le match-up. La level 3 qui ne tuera pas. C17 qui fait le taf. C17 qui est en train de devenir le god de cette team. On a essayé de lire, je sais pas, peut-être un pif. Oh, c'est bien déchopé. La phase qui était excellente. Ici, on va profiter, oui, de l'assist. L'Ki Blast, oui. Le super dash bloqué. Le beam bloqué. Vanish positif. Backdash dans le vide. C'est ça qu'on veut. Attention, il y a un switch qui va peut-être venir. Faut penser, non, à deflect. On a deflect, mais pas sur le bon move. Ça se regarde. Vanish de nouveau. La garde sur le double overhead qui saute. Enfin, l'esprit vacille. Enfin, ça fait beaucoup là. En termes de focus, c'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Il nous reste beaucoup GT. Sorceleur qui est resté quand même solide sur ses appuis et qui a profité des appels assist pour pouvoir mixer. Ouf. N'oubliez pas, hein, c'est le. Voilà, là on a esquivé l'assist, là c'est bien. Les Ki Blast qui sont gardés et Sorceleur le sait, il a juste à attendre maintenant que les assists reviennent. Pourquoi tu double mix? Non! Il faut croire dans ton instinct! C'est toi l'enfant de la destinée! Oh, j'aurais piffé sa mère! Oh là là, j'aurais eu 4 barres de metteur, 3 persos, alors là. Osef. Balancer la level 7 s'il le faut, mon balestec. Je n'ai qu'une seule vie et elle est pas dans le jeu, elle est IRL, frère. voilà. Kienzan Sama. Et puis le bon bec, l'anneau. Anno time. Zoop. On remet au sol, Boris. La garde est bonne, on n'a pas voulu taper, il a bien raison, c'est positif. On aurait pu backdash, mais c'est pas évident. Ici, le jeu de stagger qui donne l'avantage. On déchoppe correctement, c'est propre. Nono qui a pas dit son dernier, ni son premier, ni son deuxième. Là, le mec, il va te réciter l'alphabet. L'alphabet du versus fighting Boris. Mais oui, tu sais pas déjà, il est à la lettre C. Ensuite, il y a quoi? Je te mets au sol. Je vais te faire D comme déchoppe-moi ça, man. Mais oui. Ensuite, il y a quoi après D, les frères? Il y a E comme je t'éclate ta grande race, Gotenks. Bordel! Ok. Après F, c'est quoi les frères? C'est Flash, non! Moi, j'espère qu'il me fait pas me hyper pour rien. Oh là là! Il a suffi! Le cursing of the commentary! Et ça goûte le JH du neutral! 2 à 1 pour Sorceleur! Un match très accroché. Ouais, match très accroché qui était pas loin du tout les amis. Le GG nous dit Papier Gami, effectivement le GG. Et ça va être à Chomp contre White Blook. La winner finale messieurs.
Bon, j'espère que je joue aussi bien que tout à l'heure parce que... Pff,